Yo tout le monde, c'est Kéla, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. Oui, après 2 jours d'absence parce que j'ai la tête dans les cartons. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve sur Handle With Care, donc c'est quoi? Vous allez me dire qu'est-ce que t'as sorti encore comme petit jeu, Kiki, qu'est-ce que tu refais? Tu nous fais plus du Serra, tu nous fais plus rien. Si, je vais en refaire, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu? Donc c'est un petit jeu du coup qui est en phase de test, que vous pouvez télécharger dans la description. Donc on incarne un petit personnage fort sympatoche avec une... Oh ça va, il est bien habillé. Donc du coup en fait on est dans un musée et... Il y a des reliques assez rares et chères qui ont été mises dans ce musée et c'est à moi de les transporter. Et elles sont assez lourdes et donc je pense que du coup ça va pas bien se passer au moment de les transporter. Déjà le mouvement de caméra me donne envie de gerber si tu bouges la caméra comme ça. Ouh. Donc je vais commencer avec la première relique. Ah, je vais switcher mon clavier, voilà. Je vais commencer avec cette relique-ci. Oh la vache. Donc je dois la mettre où? Je dois la mettre où? Attends. Là, là-haut. Attends, doucement. Ouais, bah c'est légèrement lourd, excusez-moi. Ouais, doucement. Doucement. Faut rien renverser, autant. Ah, attends. Ok. Oh, ça se passe très bien. Ah, pour le moment, ça va, je gère bien. Faut pas que je pète ma propre relique. Oh là là, il part comme une envolée. Hein. Est-ce que je peux péter ma relique principale ou pas du tout? Je sais pas. Est-ce qu'on teste ou pas? Non, non, non. Donc c'est des reliques qui doivent valoir d'ailleurs au moins 1 million. Ou des centaines de milliers de dollars. Parce que c'est quand même des reliques apparemment qui datent de l'époque... Oh, d'une certaine époque romaine, moi je dirais. À tout péter, donc... Voilà, attention, attention. C'est léger. C'est léger. C'est pour moi. C'est léger. C'est léger, c'est léger. Ah, c'est là que ça se complique en fait. Non. Faut que j'en pose avant. C'est léger. Ah mais attends, si je pète tout, je recommence tout. Comment ça se passe? Le mec, il marche genre grave tranquille. Je viens d'exploser. Sans déconner, la moitié, enfin non, 3 reliques qui doivent coûter une valeur inestimable, et le mec, il marche tranquille, assuré quoi. Assuré de garder son poste. Oh la vache. Attends, doucement. Doucement, Polo. Attends, doucement. Voilà. Non, c'est bon, c'est rien. C'est léger. La phrase de la vidéo, c'est léger. T'imagines, tu pètes le meuble chez... Enfin, pas chez Ikea. Mais genre, t'imagines, sans déconner, t'as une exposition. T'es face à tout en camon. Et puis là, d'un seul coup, tu shootes dans le truc, dans le cercueil. Et il y a le cercueil qui tombe. C'est léger. C'est rien. C'est léger. Attends, attends, doucement. Et doucement, quand même. Donc, ne vous inquiétez pas, au fait. Les vidéos de Viscera vont reprendre. Et d'autres vidéos... Toutes les autres vidéos, Arc et compagnie, vont reprendre très prochainement. C'est seulement que je suis actuellement en plein déménagement. Donc, j'ai la tête dans les... Ah, yes. Donc actuellement j'ai la tête dans les cartons, donc c'est pas facile pour moi de gérer tout ça, vous savez que c'est chiant, donc j'emménage le 15, à partir du 15 et ma ligne internet ne sera pas remise avant le 20. Donc je crois qu'il n'y aura pas de vidéo stable, en termes de stabilité, il sera pas avant le 20 quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très contente que les vidéos sur The Forest vous ont plu, ça me fait... un plaisir de malade que les vidéos... On va les visiter, que les vidéos sur The Forest vous ont plu. J'avais vraiment envie de tourner du The Forest et je suis contente de vous avoir hypé avec les vidéos que j'ai sorties et les petits trailers que j'ai fait à la fin. Donc vous ne vous inquiétez pas, la partie 3 et l'ending de The Forest arrive dès... C'est léger. Arrive dès cette semaine, dès vendredi ça arrive. Ah quoique, je dis vendredi, bah non, je vais peut-être changer, ça arrivera la semaine d'après alors. C'est bon, j'y vais doucement, d'accord? Ouais. Donc, hop, on y va tout doucement. Je veux juste aller visiter pour voir s'il y avait d'autres échappatoires ou pas. Ou pas du tout. Non? Bon bah ok, on va prendre la dernière... Ah, attends. Non, il n'y a rien. C'est comme dans Wizard Yaddy. Oh la vache, le bug, oui, on a ni... Y a rien. Bon, allez, on essaye de le faire en mode vraiment, je vais y arriver, quoi.
Ah ouais, il y a vraiment le mec. Ouais, mais attends, mec, tu portes pas. Tu vois, déjà tu tiens pas à. Attends, c'est une relique ancienne. Déjà, bon, on va y aller là où c'est pété. Déjà, la relique, elle est grave ancienne. Tu vas pas comme ça, tu la portes pas comme ça, quoi. C'est un truc, voilà, tu prends ton temps au moment de le porter, tu vas avec un diable, tu t'emmènes la moitié des gars avec toi, c'est un truc qui coûte des millions, des milliers d'euros, c'est... Eh, on n'est pas sur du dégueulasse. On n'est pas sur... C'est léger. Non. Oh non, 500. Ah, je suis dégoûtée, je recommence, je veux faire mieux. C'est mon choix, c'est mon droit. Je vais y arriver. Donc, voilà. Donc là, fallait la mettre en haut, c'était ça? Ok. Hop. Je vais y arriver. Doucement, mais sûrement. Voilà, regarde, un petit coup de peupon. Non, un petit coup de yep dedans, mais ça va. Oh la vache. Calme-toi, Mirador. Voilà, et là, j'ai shooté dans rien du tout. En fait, j'essaie d'analyser ses déplacements, mec. Comment il se déplace. Ouais, c'est des grands pas, il fait exprès de mettre des grands pas, le saligo. Tu vois, regarde de temps en temps. Petit pas devant, petit pas... Oh la vache, ah ouais, non mais là il est carrément bourré le mec. Je me demande s'il a pas bu un petit coup de picon avant. Ah, mais là il s'est voulu là. Merde. Non mais genre, il y a tout qui pète. Attends, one. Non. C'est rien, Julbet. Ah, le font exprès, là. T'arrêtes de bouger. Voilà. Non. J'ai pété quoi, d'ailleurs? J'ai pété que celle-là. Ça, tu dégages. Je peux la faire tomber, celle-là? Non. Non, ça me dégoûte. Ouais, toi, t'as intérêt à rester où t'es. C'est bon? Attends. Un petit coup comme ça, voilà. Oh, je suis dégoûtée. J'étais sur une thématique de c'est léger. Tu parles, c'est pas resté longtemps. Alors. Je m'en fous. Je vais pas me laisser à m'aider, oui. Allez, on va commencer. On va prendre celui qui est le plus compliqué. Allez. Oh la vache. Ah voilà, petit pas. Je dis petit pas. Ah! Attends, j'ai peut-être trouvé. Peut-être. C'est des petits pas à gauche, petits pas à droite. Oh la vache, il va me coûter cher si je fais tomber le gros. Tiens, tu vois. En fait, il fait exprès de shoot. Le mec fait exprès. Attention, vite, avant que ça tombe. Non. Là, voilà, je tourne sur moi-même, ça me détend. Le mec... Par contre, j'aime bien le mouvement de la caméra qui donne carrément envie de gerber. S'il y a... Je vous promets, je casse tout. Quand j'ai terminé de déposer le dernier pot, je casse tout. Voilà. Alors, on y va à l'arrache. On va voir si ça marche. Genre, si t'y vas comme un gros bourrin, est-ce que ça marche? On va voir, c'est de la meilleure technique, tout simplement. Ah! Peut-être pour la meilleure technique. Eh! N'empêche, on n'est pas sur du dégueulasse. C'est léger. Oh non! Non! Attendez, je veux tout casser. Je veux voir combien ça rapporte. Moins 250. Moi, je veux tout péter et je veux regarder d'abord combien ça rapporte. Alors. Voilà. Et là, c'est parti. Ah ouais, mais il faut que j'aille le déposer. Mince. Bon, bah, je vais le déposer, hein. Ah, attendez, peut-être que je peux le reposer. Pour en prendre un autre. Ah, je peux plus, j'ai plus le droit. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le but est de tout péter. Hein. On va essayer d'y aller comme ça en ligne droite. Voilà. Et ben voilà. On est sur un total de moins 500. On va voir pour combien il y en a dans ce petit musée bien sympatoche. Donc on va tout péter, un par un, on va tout péter. Allez, on avance. Oh, il veut même plus avancer, il a trop du mal, hein. La panthéraide. Allez. Oh la vache. Allez. Voilà. Donc maintenant, comment... Allez, je vais tout péter. Je pète tout. J'ai envie de tout péter. Voilà.
Donc maintenant que c'est fait... Et ça, je peux pas le péter. Ah, en fait, je pense qu'il aurait fallu que je shoote dedans avec la statue. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Rien à voir, mais rien à voir. Je suis en train d'y penser à l'instant. J'ai regardé une nouvelle série Netflix, du coup, qui contient que 10 épisodes et qui dure même pas 20 minutes, 25 minutes. C'est Santa Clarita Diet. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires. Moi, c'est une série, en tout cas, que j'ai bien appréciée. Je suis en train de tout péter, je sais, ça fait du pognon, mais on s'en fout. C'est une série que j'apprécie vraiment. C'est l'histoire en fait de deux promoteurs immobiliers, donc il y a le gars et sa femme, et la femme en fait va se mettre à gerber d'un seul coup, et elle va tomber dans les pommes, et elle va se réveiller, en fait elle sera morte, ça sera un zombie, et du coup elle va devoir tuer des gens pour se nourrir, et son mari malheureusement va devoir devenir un meurtrier. Du coup ça va devenir un couple de meurtriers, c'est assez drôle en fait, et il va essayer de trouver une solution, un remède pour la sauver. Donc on est à moins 5133 quand même là. Ça, on peut les pousser, les pylônes? On peut même pas? Eh, je me dis si je pète tout là. Franchement, là, je pète tout, ok? Est-ce que celui-là, je l'ai pété? Ça a compté comme pété ou pas? Ah oui, non. Si, ça avait compté comme pété. Si je pète tout maintenant et que je place tout après, techniquement. N'importe quoi, ce jeu. En tout cas, c'est un petit jeu sympatoche. Oh, c'est rigolo. Vous pouvez y jouer si vous voulez voir votre score et tout. Mais bon, après, c'est pas un jeu qui dure très longtemps. À tout cas, si, il m'aura duré 4 minutes. Donc, attendez, je vais tout péter au fond. Je compte tout péter, oui. Et alors? J'ai envie de tout péter. Alors. Tac, tac. Et hop là, ma gueule. Oui. Non. Oh, les trucs, non mais... Et sans déconner, il n'y a pas de caméra de surveillance. Il n'y a pas de vigie qui fait... Attends, mais c'est bizarre quand même. Il y a Gilbert qui est en train de tout péter, là. Hop. Ça nous fait combien? Donc, ah, on est sur du... Ouais, on est sur du 10 000, hein, c'est pas si énorme que ça. C'est l'équivalent d'une cuisine. Haut de gamme, chez Schmitt. Ou autre, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vais pas replacer les autres. Oh non! Bon, maintenant, je peux te placer, tu me diras, mon petit patin, de toute façon. Il est totalement bourré, quoi. Ah, il passe à travers et tout. Oh là là. Ça serait bien qu'il y ait d'autres levels. Que tu dois faire un... Soit tu les places, ou soit tu dois faire un score précis afin d'accéder à la suite. Ça, ça serait rigolo. Bon, pour le moment, c'est qu'une... Voilà, il est en phase de petit jeu, quoi. Bon, je vais pas poster la suite. Enfin, je vais pas poster la suite. Non, tu n'es pas sur YouTube dans ce jeu. Je ne vais pas mettre la suite. Parce que bon, il n'y a pas de grand intérêt, je l'ai déjà fait. Et en tout cas, vu la gueule de mon score, je pense que c'est bon. Donc en attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça a été le cas aussi. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.